Yo le réseau, j'espère que vous allez bien, c'est Astro, mais c'est pas ça le plus important. Nouveau tuto, nouvelle capsule, comment bien faire. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous du côté de la foire avec Arnaud qui va me montrer comment faire une bonne marinade 100% calédonienne. Moi, j'ai ma façon de le faire, mais ça fait plaisir de venir partager ça avec lui. Allez, c'est parti. Paye. Arnaud, my man. Astro, excuse-moi, j'ai vu que tu avais commencé à préparer. Tu m'attends d'abord. Et déjà, on va souhaiter la bienvenue à tous nos internautes. Hein. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Arnaud, oui. Comme je viens de le dire avant de commencer, toi, pour toi, c'est de te présenter avant d'attaquer la recette. Bah écoutez, bonjour à tous, moi c'est Arnaud. Aujourd'hui, on est chez moi à la foire. On va partager un petit moment ensemble sur une marinade, on va dire, à la calédonienne. Et donc, j'ai hâte de partager ça avec toi. Yes, I. Ben, c'est parti, on commence par quoi? On a besoin d'huile, la sauce tomate, la sauce barbecue, le fameux soyo calédonien, du miel, sel et poivre, un petit peu d'herbe de chez nous, de Provence. La Provence de la foi. Les oignons et puis, pour finir, l'ail. L'ail, très important aussi. Yes. On a du faux filet, le porc de l'autre côté avec des travers de porc et des petites côtelettes de porc aussi pour finir l'assiette, des petites chipolatas. Mais t'as bien préparé parce que t'as vu... la quantité est là. Hein. C'est ça aussi, ben, t'as vu que enfin, je suis au régime. T'es au régime. Je dirais rien à maman. C'est ça aussi. Alright, allez, c'est parti. Alors, ce que je peux te proposer, c'est que toi, tu commences par couper quelques oignons pour moi. Je te laisse expliquer aussi aux internautes. Moi, je commence à couper les oignons. Ok, pas de souci. Donc, de l'huile. Alors, au niveau des quantités, hein, c'est les quantités à la calédonienne. On met juste un bon petit fond. Un peu de soya. Ensuite, la sauce tomate. Alors, c'est quand même, je pense, la base. Hein, la base de la marinade. C'est ce qui va apporter le goût un peu sucré. Yes. Ensuite, la barbecue d'abord. Yes. Alors la barbecue, pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup, beaucoup. Elle va apporter le petit côté un peu caramélisé. Mais si tu en mets vraiment beaucoup, le problème qui va se passer, c'est qu'au moment de la cuisson, ça va faire une grosse croûte au niveau de ta plaque ou de ta grille. Et pour finir, le miel de la maison. N'hésitez pas, si vous avez aussi vos recettes de marinade, balancez-les en commentaire. Exactement. Aussi, un petit peu d'herbe. De Provence. Toujours. Tu vas la laisser combien de temps reposer? Ah ben là, on va la laisser au moins jusqu'au moment, au dernier moment de la faire cuire. Donc moi, j'aime bien laisser au moins une bonne nuit. Hein. Je rajoute juste, si tu peux me passer, la petite bouteille rouge que tu vois là. Alors ça, je vais te laisser dire le mot. C'est du... C'est de la sauce. C'est de la sauce. Alors le Worcestershire, on en met un petit peu. Et ça sert à quoi ça? Ça donne ce petit côté acidulé, sucré. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi tu mets l'oignon à part? On utilise les oignons comme quelque chose qui va assaisonner et puis au moment de la cuisson, ben, les oignons on les met de côté ou on les jette dans le feu ou tu vois. Alors moi ce que je préfère faire c'est du coup les utiliser comme on va dire accompagnement si tu veux. Je la fais caraméliser. Ok. Je les ai mis dans l'huile avec le vinaigre balsamique. Alors c'est pour ça que je ne mélange pas en fait avec la viande parce que le vinaigre balsamique c'est assez acidulé et je ne veux pas qu'il touche à ma viande. Et le dernier ingrédient, sugar boy, le sucre. Et on se poudre bien. Je rajoute un petit peu de soyo, mais légèrement parce que c'est déjà très salé et acidulé. Et une pointe de miel. Et ça, en fait, je le fais à part dans une petite casserole à feu très doux, jusqu'à qu'en fait, les oignons vont imbiber cette sauce et ils vont commencer à rétrécir un petit peu. Et quand vous voyez qu'ils ont cet aspect très mou, très pâteux et un petit peu doré, caramélisé, vous arrêtez tout, vous videz un petit peu le surplus d'huile et vous servez ça sur votre viande au moment où elle est cuite avec le riz et franchement, ça rajoute quelque chose. Marvelous, marvelous. Et notre marinade et l'accompagnement est terminé pour nous aujourd'hui. Tout est bon. Merci pour ta recette Arnaud. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé avec nos internautes. N'hésitez pas surtout de commenter si vous avez vos ingrédients, vous avez votre recette, vous avez votre façon de faire. N'hésitez pas à partager, comme ça on balance tout ça pour toutes les personnes qui sont fans de barbecue. Et nous, on est très très fans de barbecue. On se retrouve la prochaine fois. Avec plaisir. Yes, pour une nouvelle recette. Pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Peace!